Hey, et bien bonjour à tous les gens, c'est Altaï. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur KaFaction. Et aujourd'hui, la vidéo, j'espère que ça va être du lourd. Je suis avec Niz. On vous avait préparé un petit coffre. Donc ce petit coffre, bon, c'est un petit coffre de début de version, mais pour les no gradés et tout ça, je pense que c'est toujours bien à voir. Donc il y a un peu d'épidote, il y a des blocs d'émeraude. Voilà, vous avez de l'énergite, des joints, des pommes, enfin vraiment c'est quand même un bon truc sur tous les blocs d'émeraude pour le farmant, le classement faction, c'est juste génial. Alors tout simplement ce coffre, vous allez le trouver, ce coffre il est dans la map et en fait pour le trouver c'est ultra simple. À un moment dans la vidéo, de façon totalement random, totalement aléatoire, il va y avoir l'écho qui vont arriver. Vous avez juste à y aller, et puis peut-être que je vous attendrai, peut-être pas. Celui qui a tout ramassé le coffre, il met son pseudo ici, il aura une petite dédicace. Donc voilà, pour l'écho, elles apparaîtront un moment dans un endroit totalement random de la vidéo. Alors en fait, il y a 2-3 jours, 2 jours, je crois, j'ai vu une vidéo de requin qui disait qu'on pouvait trouver des bases ultra facilement en se mettant comme ça et en speed 2. Je ne demande qu'à tester. Nous allons donc prendre un petit kit, regarder en même temps ce que le grade youtubeur me donne. Nous avons le kit bouffe YouTube joueur maître légende, le kit YouTube étant le meilleur des kits. Moi je vais prendre un petit kit légende parce que c'est mon kit préféré. Alors si je voudrais faire une grosse dédicace à Celeno, attendez, hop, on va faire ça, je balle. Regardez ma monnaie 59 000 alors que je n'ai farm que 9 000. En fait, je voudrais faire une grosse dédicace à Celeno. Celeno, donc quand on fait balle top, nous pouvons voir que c'est Celeno, le premier du balle top avec 1 600 000. Et Celeno, c'est aussi eh bien un membre de ma fac. Celeno, voilà, il est là. Celeno, du coup, il est un membre de la fac et aussi premier balle top, donc c'est plutôt stylé. Stylé, donc un gros GG à toi, Celeno. Et d'après ce qu'il m'a dit, il m'a pas beaucoup expliqué comment il avait fait, mais il a surtout farmé les CF et j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de chance. Donc, bah, tout simplement, dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de bien vérifier si jamais la technique de requin marche vraiment. Voilà, si cette technique marche, pour nous, c'est juste ultra bénéfique. Bah, ça nous permettrait de trouver beaucoup de bases, donc on va au moins essayer de trouver une base. A few moments later. Ah, regardez, attendons, non, là, y a un pilier. Ah, là, ça marche vraiment ultra bien. Alors, quand j'y suis, il y a une petite technique ultra simple qui permet de miner beaucoup plus vite. Enfin, voilà, donc en fait, la technique, c'est de se faire, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est de se faire un full stuff d'enfer. Et du coup, nous, moi, on a le slash furnace, on a tous le slash furnace. Donc voilà, ça nous donne, enfin, ça nous cuit automatiquement les lingots. Et ensuite, tac, on va se faire un full fer. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'enchant. Voilà, donc on a un full fer, et là, regardez, on one shot les blocs. Donc ça, c'est encore mieux. Regardez-moi avec ça, comme on peut miner, mais ultra vite. Les gens, je crois que je viens de trouver une base. Alors, allez par là-bas. J'ai vu des plantations, une espèce de farm, mini farm. On va regarder. Bon, on va essayer d'aller par là-bas. J'ai vu des trucs par là-bas. Sinon, voilà. Regardez, ça, c'est une farm. Ouh, regardez-moi la longueur de la farm. Il y a un coffre. Donc voilà, quand même, on a déjà trouvé une base avec cette technique et ça marche vraiment bien. Donc alors avec ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la TNT dans ce pillage. Nous avons quoi d'autre? Nous avons de l'énergite, de la redstone. On va prendre des trucs de creeper. Je sais pas si on en a besoin, mais on va prendre quand même. Pas un gros pillage, on est bien d'accord. Mais quand même, vous voyez, ça marche. Hein, ça marche parfaitement. On a trouvé déjà une base. Et j'espère qu'on va en trouver d'autres encore. Mais ça marche, oui. Bravo requin, ta technique marche énormément. Je pense que cette technique était déjà connue et tout ça. Mais bon, bah, je remine encore un peu et on va voir après si on en trouve d'autres. 5 minutes later. Les gens, je viens de trouver une deuxième base. Regardez, bon, elle est pas remplie. Enfin, d'après ce que je viens de voir, voilà, il n'y a pas beaucoup de stuff. Mais voilà, c'est quand même encore une deuxième base de trouver. Vraiment, cette technique, elle marche ultra bien. Donc un grand merci à toi requin. De nous avoir fait part de cette technique. Ouais, on est full. Là, on est full de pillage. Donc c'est vraiment cette technique, mais elle porte génialissimement bien ses fruits. C'est assez impressionnant. Enfin voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Regardez, par exemple, là j'ai encore trouvé une base. Bon, il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Mais voilà, c'est quand même cette technique marche extrêmement bien. Et du coup, oui, en effet, elle marche. Alors je pense que je vais, d'ici le prochain épisode, essayer de trouver encore plus de bases. Pourquoi pas faire un épisode consacré juste à du pillage de base? Ça pourrait être cool.
En tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, les quotes ont déjà été mises avant dans la vidéo. Voilà, je vous mets le lien de la vidéo de requin en description pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui veulent avoir plus d'informations sur The Bug d'X-Ray. La vidéo de demain ou d'après-demain, ce sera soit sur Skill, soit sur KaFaction, en fonction de ce que j'ai à faire. Moi, je vous dis à demain, c'était Alta. Bye! Vu que la vidéo ne fait que 5 minutes et que c'est pas suffisant, je vous mets un petit PVP de faction qui s'est déroulé il y a quelques jours. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a un problème. Quand je règle que je suis sur TS, eh bien, on n'entend pas ma voix. C'est-à-dire que j'étais en train de parler, mais on ne m'entendait pas. Donc voilà, puis à la fin, quand vous voyez que ça s'arrête brutalement, en fait, c'est que tout simplement que j'ai crash. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même gagné. Enfin voilà, c'est un petit PVP quand même qu'on a fait, bah, du coup, contre la faction, mais je sais plus le nom de la faction. Contre une faction, enfin, bref. Pas très important. Enfin voilà, il y avait Requin, il y avait Battlecross, et après il y avait d'autres personnes de la faction. Je ne saurais plus exactement qui est là, qui était là. Et si je pourrais avoir un peu de stuff après, s'il te plaît. Bah Comme vous oui, voulez. c'est facile de dire tu es le. Mais j'aimerais bien en fait. Bah oui, bah tu peux le faire, je sais pas, mais. Je sais pas, mec, mais on va pas te passer du stuff, hein, si tu fais rien. Tu fais juste perdre du power. Hein. Je me fais 9v1, mec. Un peu effet de merde, User joined your channel. Les gars, vous avez le stuff de Yamilushid du coup? Moi j'ai un peu de son stuff. Les gars, vous pouvez me donner s'il vous plaît, j'ai envie de me foutre de sa gueule. Genre le gamin est en train de rager. J'ai envie. Non mais mec, là Puis on n'a pas encore TP, et genre je gagné, vais hein. faire genre slash trade. Encore? Mais oui, on peut y plus encore. Ah merde, vous voulez une fois mon épisode ou Ça pas? résiste. Non, on veut juste que tu viennes nous aider. Après, ils Bah sont pas mec. méga forts, hein. Ouais, mais il est multi juste, hein. C'est comme la destinée. Bon, j'arrive à survivre. Putain, les gars, si là je meurs, par contre, là je rage. Est-ce qu'il est avec nous, Iwaz? Ouais. Là, je t'ai pas. Battle Cross, Battle TPS. Ouais, mais tu me fais 3v1 Gang Bling, 4v1 Gang Bling. Et sautez le mec, hein. Putain, les gars. Les gars, 21 CPS, chase, go chase, go chase. Alta TP, TPS, TPS.